Salut tout le monde, on se retrouve en ce dimanche matin. Et oui, c'est le jour de repos. Je suis exténuée, j'ai très mal au dos, mais bon, bref, c'est la life. Alors aujourd'hui et cette semaine, j'ai plein de trucs à vous dire, plein de trucs à vous parler. Allez, c'est parti! Alors voilà, ça va être une semaine importante puisque je vais commencer à faire mes cartons. Pour ceux et ceux qui ne le savent pas, oui, je prévois de partir dans le sud. Non, maintenant, c'est sûr. J'ai pas encore de date précise. Ça serait vers les mi-novembre, normalement. J'attends 2-3 réponses avant de confirmer tout ça. J'ai déjà trouvé un camion, normalement, parce que c'est compliqué de déménager du nord au sud. Et j'ai trouvé Europcar ou Rentacar, je crois, qui font des trajets simples en fait. Et ça vous revient vraiment moins cher que de prendre une société de déménagement. Par contre, il va falloir que je donne des meubles, que je les vende, que je brade. Et voilà, donc c'est un peu compliqué, on repart vraiment à zéro et j'avoue que j'ai mal au ventre quoi. C'est tellement une organisation, puis là le travail, les enfants, l'école et le déménagement, vous savez très bien qu'un déménagement c'est pas facile et surtout quand vous avez 900 km. Donc voilà, comme vous pourrez le voir, ça c'est le bordel, il va falloir que je range tout ça parce que j'ai vendu ce meuble-là. Donc aujourd'hui, mon but c'est de vider tout ça. Hein. Et bien les mettre ben, dans des cartons et à l'abri. Bon, j'ai pu les voir pendant un long moment, ça va me faire chelou, punaise, de plus voir ma collection Disney. Ça me remonte le moral, quoi. Vous voyez, c'est le truc que je rentre chez moi, il y a un peu Disney, un peu de magie. Bah là, voilà, il n'y aura plus ça. Et là, va falloir que je démonte tout ça aussi. Voilà, ça va faire vide dans ma maison, ça va faire vide. Hein. Franchement, je suis dégoûtée. Donc là, avant de démonter ça, j'ai 2 vidéos à tourner. Je vais les tourner aujourd'hui. Comme ça, après, j'enlèverai ce fond. Je vais ben, mettre dans des cartons. J'ai acheté, il me semble, du papier bulle. Regardez, Action. C'est le bordel partout. Franchement, je suis désolée, c'est le bordel, mais bon, j'arrête pas. Voilà. Mais j'en ai pris 2. Et pour emballer, bah, justement, mes mugs et tout, j'ai pas envie qu'elles cassent, quoi, tu vois. Donc là, c'est parti pour démonter tout ça. J'ai envie de te dire bon courage, Priscilla. Allez, on y va. Premier carton et c'est mes oreilles. Et franchement, c'est abusé. J'en ai trop. Franchement, il y en a au moins pour je sais pas combien. C'est vrai, j'avoue, c'est abusé. Donc voilà, ça va me faire bizarre. J'espère que ça va pas moisir dans le carton parce que je suis pas prêt de les remettre pour l'instant bah, au mur. Donc voilà, premier carton. Je vous avoue, ça me fait trop bizarre. Ah ouais, ça me fait bizarre. Et en plus, ça va faire tellement vite. C'est, je sais pas, ça me fait chelou. Voilà, bref, allez, on continue. Donc là, j'ai rangé des cadres, vous voyez, et une partie de mes mugs, les lanières et quelques pins. Donc j'ai fait du tri, je commence à me mettre sur Vinted, sachant que sincèrement, je garde presque tout. Voilà, si j'ai acheté ça, c'est que je kiffe. Mais il y a quelques trucs comme des pins et tout ça, je vais les mettre sur mon Vinted. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, hein, je vous mets le lien en barre d'infos. Tous mes bons plans sont en barre d'infos, donc n'hésitez pas, hein, c'est vraiment des vrais bons plans. Donc voilà, allez, deuxième carton fait. Coucou. Alors je vous reprends, il est très tard. J'ai une tête de fatiguée. Vous savez, sur ma chaîne, je vous dis presque tout. Je voulais juste, voilà, vous dire un peu mon quotidien, qui n'est pas toujours facile. Et c'est pour ça que j'ai décidé un peu d'en parler dans cette vidéo. C'est que j'ai dû mettre un matelas par terre pour que Eden y puisse enfin s'endormir. 4 heures du matin. Voilà. Et c'est tout le temps, tout le temps. C'est les insomnies à répétition. Et après, il faut se lever à 7 heures pour aller travailler, emmener les enfants à l'école et tout. Je parle pas de moi. Bon, je suis maman, voilà. Mais je pars surtout de lui qui doit être très fatigué après la journée. Les gens vont dire, bah, il a qu'à dormir tôt. Il est au lit depuis 8 heures. 8 heures du soir. 4 heures du matin, il s'endormit. Avec ses angoisses. À venir me réveiller, savoir si ça allait. À marcher, errer. On lui demande qu'est-ce qu'il a. Ça va pas. Voilà. Donc, j'ai vraiment hâte qu'il se fasse diagnostiquer, que ça avance. Je sais que je le dis assez souvent. Mais j'espère vraiment que dans le sud, tout ça va se débloquer. Parce que ça fait quand même. Je sais pas, 2 ans ici dans le nord que j'avance pas. J'ai décidé d'en parler juste, voilà, une minute, on va dire, dans cette vidéo, juste pour vous dire un peu que tout n'est pas toujours tout beau, tout rose, et que parfois pour moi c'est difficile aussi de répondre à des commentaires parce que je suis fatiguée, d'avoir le sourire parfois dans la journée parce que je suis exténuée aussi, ou tout simplement de tourner des vidéos. Il y a des jours je travaille pas, j'arrive pas parce que je suis épuisée. Après c'est pas de sa faute. On a essayé l'homéopathie, on a essayé pas mal de choses comme ça. Et ça fonctionne pas, donc
Il y a des traitements plus lourds et j'ai pas envie que mon gamin soit dopé de médoc, donc je n'en donnerai pas. Ça, c'est clair et net. Il a beau aller à l'école aussi toute la journée, je le lève de bonne heure. Le soir, il ne dort pas. Donc, ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Ça fait partie de ses troubles, c'est tout. Ça, plus l'alimentation, plus les angoisses, plus la dépression, plus ci, plus ça, plus. C'est tellement de plein de petites choses que j'aimerais juste que on me dise vraiment ce qu'il a, sachant que, voilà, même si on sait à peu près, on veut juste que ça soit écrit noir sur blanc pour qu'il ait des personnes qui puissent l'encourager à nous aider, nous aussi. Et je pense que ça peut aider tout le monde psychologiquement de pouvoir en parler, surtout avec des gens qui connaissent ces symptômes-là, voire des familles, des associations. J'ai essayé, mais bon, ici en tout cas, j'ai pas trouvé mon bonheur, faut le dire. Voilà, c'était juste une petite aparté pour vous dire qu'aujourd'hui, bah, j'ai fait mes cartons, mon ménage, et là, bah, je vais essayer d'aller dormir parce que voilà, demain, il y a l'école. Voilà, c'est mon quotidien et c'est pas d'aujourd'hui, hein, voilà. Mais je voulais vous en parler brièvement. Allez, je vous dis à demain. Je vous retrouve le lendemain. Bon, j'ai pas filmé, j'ai le reste des cartons. D'abord, qu'est-ce qu'on s'en fout? C'est des cartons de déménagement. J'ai pas arrêté, c'est mon jour de congé, on est lundi. Regardez-moi ma tête, j'ai même pas le temps de me pomponner. Je viens d'aller à la pharmacie acheter le vaccin à Noam. Alors, c'est le vaccin, vous savez, à 6 ans qu'il a pas fait parce que l'année dernière, bah, avec le. Toujours l'histoire du Covid, et ben j'ai un an de retard, bon voilà, c'est rien. Et en fait, le pauvre, il m'a dit, je veux pas faire le vaccin pour le Covid. J'ai dit, c'est pas ça, lapin, t'inquiète pas. Mais comme quoi, ça angoisse les enfants, franchement. Non, mais c'est vrai, s'il m'a dit ça en pleurant, sinon c'est un vaccin obligatoire, c'est pas pour le Covid, bon bref. Voilà, je m'en vais faire quelques courses. Je sais pas si j'aurai le temps de vous vloguer ce soir ou demain. Je vous vloguerai un peu à Kaby, voir les nouveautés, et puis il y a du Disney aussi. Je vous retrouve tout à l'heure, en plus j'ai plus de batterie, donc on fait comme ça, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, je vous retrouve au soir. Qu'est-ce qu'on mange ce soir? Pommes de terre grillées à la graisse de canard. Trop bon. Avec une petite musique. Et Noam qui vient gratter ma vidéo. Bon, le truc à pas faire, je viens changer l'huile de la friteuse et on a fait des ailes à la friteuse. Le truc qui fait grossir quoi. Mais bon, allez, on va dépenser tout ça au travail, hein. On va faire du cardio. Donc voilà, en mode pyjama, tranquillou, on mange au pieu. Hein. Il faut le dire, je suis crevée. Donc on se retrouve demain et essayer de faire 2-3 TikTok. Ah oui, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je sais même plus c'est quoi mon pseudo TikTok. Je vais essayer de vous le mettre en barre d'infos, je l'ai pas mis. Mais on est quand même bientôt 19 000. Eh, truc de fou quand même. Petit vlog pas prévu. Bon, je vous filme, je sors du travail, hein, mais mon chauffeur n'est pas là. Donc qu'est-ce que je fais? Ben, je vlog. Voilà. Avec mon carton de déménagement sous les bras, c'est trop bien. Qu'est-ce qui fait bon? On se croirait au mois d'août, quoi. Franchement, ça fait trop trop du bien. Donc aujourd'hui, j'étais en caisse. Ça faisait super longtemps que j'avais pas été en caisse. Donc ça fait plaisir un peu d'être face à la clientèle. Et ben voilà, donc je marche, je suis toute seule, je flippe quand même, hein, parce que imaginons qu'il y a un fou qui veut me kidnapper. Voilà quoi. Bon, juste voilà pour blablater 5 minutes. Je vous retrouve demain, je travaille pas, donc j'aurai de quoi vous raconter et voir un peu ce que j'ai reçu, si j'ai des nouveautés, tout ça. Bon, je vous dis à demain. Salut tout le monde, on est mercredi. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, Noam? On a fait quoi? Je sais plus. Le vaccin? Ah bah oui. Mais c'est pas pour le Covid, hein, c'est son vaccin. Donc ça, bah, il a pas eu mal, il est content. Il a rien senti, donc bah. Il en fait plein ou quoi? Non, non, bah, faut pas en faire plein, mais voilà, il a fait son vaccin obligatoire. Et là, on est à Chaussée. Ouais. Et il y a la nouvelle collection Disney, regardez. Et juste la boîte de chaussures, elle est trop canon, regardez. Je vous fais voir en rentrant à quoi elle ressemble. Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Donc je vais vous faire voir la paire de chaussures. Alors il y a une nouvelle collection, il y en a plein. Il y a même les bottines, j'ai oublié de les filmer, mais il y a des bottines. Donc, la boîte est juste magnifique. Et on a les petites paires de chaussures comme ça. Avec le petit Mickey comme ça entre deux, c'est trop mignon. Franchement, j'ai pris du 39 alors que je fais du 40. Souvent, la toile, ça taille un petit peu grand. Donc, n'hésitez pas à prendre une pointure en dessous et à mettre une petite semelle hein, dedans. Donc, voilà, petite chaussure sympa. Franchement, elles sont trop canon. Salut tout le monde. Il est jeudi, 7h30 du matin. Les enfants regardent les Simpson en déjeunant. Ils kiffent ça, les Simpson. Voilà. C'est une famille Simpson. Alors, en plus, Disney a racheté les Simpsons. Un jour, on va aller voir. Ça se trouve à Disney. C'est un truc de fou. Bon, bref, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Bon, là, je commence à 9h jusqu'à 17h. J'ai encore la grève. Enfin, ras-le-bol. Alors, le matin, on se les gèle assez, quand même. Franchement, on met la doudoune. Et l'après-midi, t'es en débardeur. Genre, tellement il fait chaud. Cette année, rien comprendre ce temps. Cette année, le temps a été trop chelou, il faut le dire. Donc là, voilà, les cartons, le meuble est enlevé. Ma chambre s'est retournée aussi parce que j'ai vendu un meuble. On va vivre dans les cartons pendant quelques semaines, mais après, ça ira mieux, voilà. C'est chiant, déménagement. Franchement, dites-le moi en commentaire. Quand vous avez déménagé, c'était relou. Je suis pas la seule à le penser, quand même. Donc là, go, Kaby, dépose les enfants avant. À ma pause, je dois aller à Action, donc j'irai vite fait. Et en même temps, s'il y a des nouveautés, je vous les filmerai.
Allez, je vous retrouve tout à l'heure. Je suis action, il y a des petites nouveautés, je vais vous faire voir ça. Il y a un four, un truc de fou. Regardez, 19 €. Et ça aussi, planche à découper, c'est sympa. Les calendriers de l'Avent sont à 9 €. Ça va, ils ont bien baissé. Il y a ça, c'est nouveau. Et celui-ci aussi. Ça, ça a l'air trop bon. Je vais en prendre. Vous avez ceci, ça vanne comme ça. Donc ouais, je sors d'action. Il y a 2-3 nouveautés. J'ai pris des nouveaux masques, en tout cas dans le mien. Ils sont, regardez, comme ça. Donc on a un rose et un bleu. Je l'ai fait tomber. Oh là là, la blonde. La meuf, elle est en pause, mais vu que son travail il est à côté d'action, elle est obligée d'aller à action. Donc celui-là, c'est à l'acide hyaluronique, je crois que l'autre aussi. Non. Acide boost. Bon, écoutez, ça a testé. C'est pas du Garnier, mais ça veut rien dire. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris le calendrier de l'Avent pour Léna offrir pour un anniversaire. J'ai pas pris grand-chose. Hein. Merde, comment ça se prononce? Twix. Non, il y a un X. Mon déodorant préféré. Voilà. Il fonctionne très bien. Et rien de ouf ici, voilà. C'était juste pour faire un petit tour. Donc là, ouais, je suis en pause. Et je finis à 17 h. J'ai pas mal de vidéos encore à tourner ce soir. J'ai jamais fini. C'est... En ce moment... En fait, le problème, c'est à chaque fois que je travaille, cumuler les deux, je galère entre YouTube et mon travail. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai pleuré ce matin. Un truc de fou, comment j'ai pleuré. Ma petite Lulu, si tu passes par là, tu le sais très bien. 1000 bisous. Franchement, c'est un truc de fou. Alors, ma collègue de travail... Lulu m'a créé grâce à son oncle, il me semble que c'est son oncle. Je vous mettrai son Facebook en barre d'infos. C'est un monsieur qui fabrique des objets, des meubles sur mesure en bois. Et il m'a créé un truc de fou. Je vous le fais voir tout de suite en rentrant. Et j'étais émue parce qu'en fait c'est du Disney. C'est un meuble pour porter mes oreilles. Vous savez très bien que j'ai une collection de ears, d'oreilles mini. J'en ai, je sais plus, une cinquantaine. Et à force, je sais plus où les mettre. Et là, il m'a créé, grâce à elle, hein, bien sûr, cette étagère sur mesure. Enfin, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que je m'y attendais pas, quoi. Quand elle m'a dit viens voir, je me suis dit bon, pour une babiole, mais je m'attendais pas à voir ça. Donc j'étais super émue. Voilà. Comme quoi, franchement, on tombe sur des bonnes personnes et ça fait plaisir. C'est le genre de personne qui va me manquer quand je vais partir dans le sud, ça c'est sûr. Mais voilà. Donc je vous fais voir ça tout de suite quand je rentre à la maison, c'est-à-dire vous dans 2 secondes, moi dans 5 heures. Donc voilà la création que Lulu m'a fait sur mesure. Donc c'est une tête de Mickey sur du bois. Voilà. En fait, c'est une étagère. Hein. C'est accroché sur le mur et c'est pour mettre les oreilles mini, donc les ears. Donc de base, je vais tout enlever, je vais vous faire voir. Ça s'accroche comme ça, hop, au mur. Franchement, c'est trop beau, quoi. Et je vais vous faire voir. En fait, elle avait des oreilles chez elle. Elle l'a donné à son oncle qui est tourneur sur bois. Et en fait, il l'a créé, regardez, directement comme ça. Franchement, c'est trop bien fait. Et vous avez juste à le visser et à le mettre au mur. Donc voilà, en tout cas, c'est un super cadeau. Je suis trop contente. Salut tout le monde. On est vendredi. Je m'en vais travailler, mais je suis un peu en avance. Donc, je vais un peu vous filmer ce qu'il y a peut-être en nouveauté Disney. Et la semaine prochaine, je vous ferai un vlog spécial Kaby pour vous faire voir un peu les nouveautés. J'ai essayé peut-être quelques tenues aussi en vidéo. Donc, allez, on va à Kaby. Donc, on a Mini. On a des Mickey comme ça qui sont super beaux. Là, il me semble que c'est le Roi Lion. Ouais, c'est ça. Et là, c'est pareil, c'est Mickey. Là, il y a les Aristochats comme ça. Et j'ai vu un pull, c'est pas Disney, mais on peut le mettre quand même, ça fait penser à ma chaîne. Voilà, faudrait que je le porte parce que franchement, c'est tout à fait ça. J'adore. Là, on a des petites salopettes mini. Et la veste en jean, elle est trop canon, regardez-moi ça. Après, pour filles, on a Bébé Yoda, Figaro Daisy. Mini, pareil, on a celui-ci et un jaune comme ça avec des petits chats. On a des pulls, les suites Mickey, un petit t-shirt là sympa. Il y a même du Harry Potter, les gars, j'adore, il est trop beau celui-là. Et il y a des Star Wars. Pour garçon, vous avez cette veste Mickey, elle est trop sympa. Regardez, elle est doublée à l'intérieur, elle est trop canon. C'est marqué Mickey et là il y a Mickey, franchement, elle est trop canon. Et dans le dos, elle est comme ça. Elle est trop belle. Là, pour les garçons, on a celui-ci. On a des petits pulls comme ça. Il y a cette collection-là, je l'avais pris à Noam avec Pumba. Et voilà, là, on peut bouger les sequins. Et il y a le même en Stitch. Beaucoup m'avaient demandé où je l'avais eu. Ben voilà, à Kaby. Il est trop canon. Donc, je vous ferai une petite vidéo la semaine prochaine
sur plein de nouveautés, sur les nouvelles collections femmes et tout, Kaby. Là, je vous ai fait voir un peu de Disney, c'est tout. Au cas où vous en cherchez, il y en a en ce moment. N'hésitez pas à aller sur le site aussi et faire une e-resa. Vous faites venir dans votre magasin, vous essayez. Si vous aimez, bah, vous avez juste à payer en caisse. C'est super facile. Donc on se retrouve ce soir parce que là, je m'en vais travailler. Je vous retrouve ce soir. Je suis exténuée, éreintée, explosée. Je viens de prendre une petite douche. J'ai mis lundi là-bas que ma belle-mère m'a offert. Franchement, je suis trop bien dedans. Je la mets tout le temps. Là, le manche est en train de cuire. Ce soir, pâte à la bolognaise. Hein. Il va être 20h. Ouais, je finis à 19h. Donc voilà. Comment vous dire, donc je suis un peu dégoûtée. Je devais vous poster une vidéo aujourd'hui. Ça n'a pas été fait parce que j'ai eu un souci. Bon, bref, de la grosse galère. Compliqué de cumuler tout ça. Donc là, vous aurez ce vlog ce samedi alors qu'à la base, vous deviez l'avoir dimanche. Et dimanche, vous aurez une vidéo AliExpress. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, franchement. Je me suis tapé des barres. Mais elle est trop fun, cette vidéo. Moi, j'ai rigolé. Hein. Franchement, donnez-moi vos avis en dessous de cette vidéo. Elle sort dimanche, mais je me suis tapé des barres. Bon, voilà, écoutez, je vais clôturer ce vlog parce que demain, rien de trop intéressant. Je fais 9h-18h, donc je suis au taf. Il n'y aura rien d'exceptionnel. Donc voilà, je vous laisse. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve d'ici 15 jours pour un prochain vlog. Je vous dis à très vite, mais surtout d'ici là, prenez soin de vous. Gros, gros bisous.